Aller partager avec eux, leur montrer l'exemple d'un grand-père, d'une grande-mère. L'exemple d'une grand-mère qui parle aux enfants, qui partage la parole aux enfants. Et oh, ben, on a passé, comme vous l'avez compris, on a passé tout le temps hein, dans les bâtiments d'église. Les enfants, ben, on les prend, à qui on les donne à l'école de dimanche pour que les moniteurs, dont vous ne connaissez pas la moralité, éduquent vos enfants. Vous avez décidé l'homme et la femme. Vous avez décidé tous les deux de faire un enfant. Et vous, c'est comme si vous vous dites après, on va faire des enfants, mais on va les donner à la sœur et telle qui s'occupe des enfants à l'église. Hein, hein, pour les éduquer, parce que nous, ben, on n'a pas le temps. Hein, nous, on n'a pas le temps parce que la maman doit travailler 10 heures, papa 15 heures. Pourquoi? Pour avoir une vie de luxe. N'est-ce pas? Et comme ça, ben, les enfants, ben, ils sont laissés seuls. Voilà. Ils grandissent seuls.